Bonjour et bienvenue à une dégustation 3 produits. Je pense que c'est la 7e. Ouais. on s'en fout. 7, 8, 12, 24. 24. Mais l'important, c'est qu'aujourd'hui, c'est une dégustation 3 produits liquides. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on a un petit cooler ici, juste en avant de nous autres, que vous ne voyez pas. On va piger dedans pour un premier produit jusqu'à concurrence de 3. Et on va y goûter. À toi l'honneur, jeune homme. Genre de soda au bug bar. Donc, ça serait un soda aux bébites qui vomit. Au vomi de bébites. Ça, en quoi ça dit kiwi et ananas. Ah, au moins. Fait que les bébites, elles ont ce qui dégueule, c'est kiwi et ananas. Fait que là, j'en ai des petits verres parce qu'on va s'en verser un peu pour y goûter. Mais d'après moi, tu aurais de la misère à ouvrir ça de même. Je crois que c'est ouais, pas trop scalp. Ouais, ça sent les fruits. Ça sent pas le vomi? Non. Oh, mon Dieu. Si les bébites, ils dégueulent de la senteur de fruits bons comme ça, ça devrait être popé. Une belle couleur vert crotte de nez. Santé. Ça goûte les fruits, mais c'est comme dur à dire un peu. En même temps que ça goûte les fruits, il y a comme un petit goût. Un petit goût de je perds mes lunettes. On n'est pas sûr, hein. On n'est pas sûr, on va le goûter. Il y a un petit arrière-goût de quelque chose. Il est chimique. Ouais. Faut essayer de mettre le doigt sur c'est quoi le petit arrière-goût. Ça, c'est dur à dire. Un goût de poussière. Pour avoir vomi souvent dans ma vie, je trouve que ça goûte pas le vomi, en tout cas. Non. Non. Mettons, les ingrédients, c'est de l'eau carbonisée, du sucre de canne, naturel et artificiel flavor and color, de l'acide citrique et du benzoate de sodium. Fait qu'il y a ni kiwi, ni ananas. Puis ils disent « It's totally gross soda. Totally disgusting. » Non, je trouve pas que c'est « totally disgusting ». Non, c'est quand même bon. C'est quand même pas pire. Ouais. Pour du vomi. OK. Deuxième produit. Ah, des canettes, ça doit être du thé aux perles. Du thé aux perles, ouais, ça, ouais. Ça semble être ça. Puis d'après moi, ça devrait être pas vraiment bon. Non, non. On a-tu des écritures qu'on peut lire ou c'est à peu près juste en. D'après moi, c'est en japonais. Ah, en avant, là. Ouais, ça, ici. Puis eau, il y a de l'eau, sucre, soya, balle de tapioca, crème non laitier, sirop de maïs, huile de noix de coco, hydrogénée, et de l'émulsifia, du caséinate de sodium. Bon, il y a plein de produits chimiques. En fait. Un bon produit très naturel. Mais sinon, c'est... Ici, qu'est-ce qu'on peut lire? C'est soybean drink avec tapioca base. Fait que ce serait un breuvage à base de billes de soya, des pelles de soya avec des balles de tapioca. On va le brasser un peu, ouais. Je sais pas si les pelles vont rentrer dans nos super verres. Au moins, tous les breuvages sont froids. Ça sent... Oh! Ça sent... Oh!
J'allais dire ça sent absolument rien, mais ça sent la craie d'après moi. J'essaie de te verser ça. Ouais. J'espère que les billes vont passer. Ça sent pas l'air. On dirait que les billes passent pas. Ouais, c'est clair. OK. Fait que si des billes passent pas. Un odeur de craie. Ah, my God. Santé. C'est avec le soya, pas mal. C'est comme si tu buvais du tofu. Oui. Hein? As-tu déjà mangé du tofu, nature? C'est... Ouais, c'est vraiment comme si tu buvais de la craie mélangée avec du tofu, un peu. Là. Mon Li Shang! OK. Je voulais dire intéressant, mais pas tant. Là, c'est plate parce qu'il va falloir atteindre le fond pour, d'après moi, voir c'est quoi les billes. Puis les petites billes dans le fond. Ça donne de la texture, mais sûrement un autre goût de marde. c'est vraiment du tapioca. Tous les moutons étaient dans le fond. Extra tapioca! Miam, miam, miam! Quasiment un repas complet. Pas mal vide, ça, là? Ouais, sans quoi. Je pense qu'on pourra pas faire bien mieux. Oh, on en voit un beau, un petit. On dirait, on dirait des petites ampoules. Le troisième produit, non le moindre. Genre de... C'est un soda au yogourt. Saveur de yogourt. C'est tout ce qu'on peut lire? Ouais, c'est yogurt flavor. Saveur de yogourt. Saveur de yogourt. Un jus au yogourt. Puis c'est transparent, comme on peut voir. C'est... Il n'y a pas de couleur. Un bon jus au yogourt. Fait que c'est fait par Hata. Ouais. C'est... 41 calories, c'est à peu près qu'est-ce qu'on peut. www.atacozen.co.jp. Fait que ça vient du Japon. Saveur de yogourt, même pour l'ouvrir, assez invasif. Je sais pas trop, ça a l'air d'être un bouchon spécial. C'est une bouteille. C'est ça, c'est comme des ramounets. Il y en a plusieurs sortes. Fait que j'ai dit, je vais y aller avec une sorte qui est un petit peu plus wild. Éventuellement, j'aimerais goûter les autres sortes. Parce qu'il paraît qu'il y en a plein qui sont bons. Fait qu'il faut pas t'avoir une urgence de soif parce que la bouteille est dure à ouvrir. Ok. Donc c'est un genre de bouchon. Comme ça, y a-t-il quelque chose qui va couler là-dessus, tu penses? Ou il faut. Ah, yeah! Ah, je crois qu'il faut percer, genre. Il y a des. En fait, il y a des instructions, hein. Check donc, voir si tu comprends quelque chose. Ok, ouais, je pense que ça prend. Ouais, tu saisis. Enlever le papier, enlever la petite goupille, ce qu'on a fait. Ça, c'est dit de mettre dessus. Ouais, je pense d'après moi, faut que tu le forces. Oh! Oh shit! Woo! Fait que ça mousse. On sait que c'est mousseux. Ça sent bien beau. Pour vrai? Ouais. Ouais, quand même. Donc les Japonais ils font des trucs hein, pas comme les autres, là, genre de bouteille avec une goupille. Ah il y a même. Ok, il y a même une bille dedans. Il y a comme une bille qui tombe dedans. Spécial. C'est transparent, mais c'est un petit peu trouble comme. Santé? Ouais. Yogourt à vanille, hein? Ouais. Alors, je dirais yogourt à vanille. C'est
C'est un genre de liqueur un peu pétillant de coup de, au yogourt à la vanille. Ouais. C'est pas mauvais. Une autre petite shot. Ouais. Juste pour être sûr. Je sais pas en fait l'utilité de la bille de même. C'est pas trop. Le problème c'était ça qui fermait, puis avec ça il fallait. Ah, la bille dans le fond était là, ici, puis là, dans le fond, ça. Ouais. Ok. Un système compliqué pour rien. Fait que, comme à toutes les fois, le palmarès serait quoi pour toi? Fait que ça, c'était pas mal le meilleur. Celui de ça, puis finalement, ça, c'était. Ouais. Pas très bon. Entre ces deux-là, ouais, c'est quand même dur à dire, mais je pense que oui, même s'il y a un petit goût de tapis bizarre. Mais je pense, moi je dirais, je pense que lui, je l'aime mieux. Parce que lui, il est bon, mais s'il n'y avait pas le petit goût bizarre. Ça, ben c'est clair que je suis vraiment dernier. Là. Mais c'est toujours intéressant de découvrir les nouveaux produits. Oui, c'est fun. Yeah!